Le jeudi, c'est le jour des bêtises. Récemment, j'ai récupéré ça. C'est un Epiphone EP10 de 1992. Si je dis pas de conneries, c'est un monocanal qui fonctionne avec un overdrive en post-gain dessus. Je l'ai entièrement retapé parce qu'au début, il fonctionnait pas du tout. J'ai foutu un vieux caleçon, enfin, la toile de vieux caleçon en guise de nouvelle grille parce que l'autre était entièrement défoncé. Et voilà, au-dessus j'ai le Mustang comme d'habitude avec voilà, c'est mon Jensen Servi Powerhead à l'intérieur. Lui il est Powerhead by Samyk avec un transfo Samyk, c'est un HP qui peut prendre jusqu'à 30 watts et un transfo qui peut prendre jusqu'à 40 watts et dans un petit ampli qui en fait 10. Voilà, l'overdrive est sympa jusqu'à 10, à 10 il est dégueulasse mais ça c'est quand même très correct, voilà. Il y a un foot switch qui est pas avec, je sais pas comment ça fonctionne. Bref, et j'ai aussi retrouvé ça. Ça, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo. C'est un micro, en fait, de téléphone de cabine téléphonique que j'ai raccordé sur un manche, que j'ai même raccordé sur un câble, que je fais passer par une disto, enfin une overdrive germanium de chez Electro Harmonique, en temps de buzz. Et qui va dans l'Epiphone. Et après, il y a la Telemaster qui va dans le Mustang. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est marrant. Thank you.
Je sais pas exactement si c'était plus de bordel entre ça et ça et ça et ça. En tout cas, ça déménage sa mère.